Avec ce genre d'instrument, hein, comme celui-ci, vous avez une couronne ici de cap que je peux bouger à la main. Cette couronne souvent est reliée à, ici je l'ai démonté, mais il y a un synchro résolveur ici. Bon là il est présent, voilà, il est présent sur l'aiguille centrale. Vous avez quelque chose avec 6 fils, 4 fils regroupés et 2 séparés. J'en ai démonté un ici, hein, donc voilà. Voilà, donc comme ceci. Voilà, donc c'est avec le kit de développement que j'ai trouvé, il suffit de brancher les 6 fils, donc une source ici, donc une sortie qui envoie une sinusoïde à l'intérieur, et 2 phases, et quand je tourne ici le capteur, vous voyez que l'angle, l'aiguille va tourner en rapport. Donc c'est peut-être une piste pour pouvoir envoyer les informations au FDBus sans mettre de capteur magnétique, donc directement récupérer l'instrument qui est à l'intérieur. Voilà, donc il y a un petit peu de travail encore pour faire le circuit, hein, puisque là c'est une platine de test, mais j'ai bon espoir.